Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette soirée autour des écritures du réel. Dans le cadre du festival Effraction, nous avons noué un partenariat avec la librairie Mola et le journal Sud-Ouest, qui portent tous deux le prix du livre du réel, dont ils vous parleront tout à l'heure. Et nous avons donc monté cette table ronde autour des écritures du réel ensemble. Je laisserai Yann-Nicole présenter nos invités qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Il y aura donc un débat d'environ une heure et ensuite, justement, la sélection du prix du livre du réel sera annoncée. Et ensuite, il y aura un temps de dédicace qui est prévu à l'issue de cette rencontre. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bienvenue. Très heureux de vous retrouver pour cette discussion, en effet, autour des liens entre littérature réelle, fiction, documents. On va essayer de démêler ces nombreuses questions en présence de nos invités que je vais vous présenter immédiatement. On commence par Morgane Sessana, qui est la traductrice de sa voisine, Kabasova, pardonnez-moi. Bonjour à vous et merci d'être là. Morgane aura peut-être une ou deux interventions pour aider Kapka pendant la conversation qui va nous faire le plaisir et l'amitié de parler en français. Bienvenue à vous en compagnie d'Olivier Weber et en compagnie d'Adrien Bosque. En effet, des auteurs, écrivains, journalistes, éditeurs, des personnalités très hybrides qui vont nous permettre justement de réfléchir à cette notion, là aussi, d'écriture hybride, d'écriture du réel, de narrative not fiction, de la manière dont précisément la littérature s'en part finalement du réel et comment est-ce que peut-être les frontières entre ces différents matériaux se brouillent, même si ça n'est évidemment pas d'aujourd'hui. Je vais faire une toute petite présentation très très rapide en commençant par vous, Kapka Kasabova, auteur de ce très gros livre et très beau livre aux éditions Marchiali qui s'intitule Lisière, qui est un livre épatant dans lequel vous revenez sur un endroit que vous connaissez bien puisque vous êtes né vous en Bulgarie. Vous revenez à la frontière entre la Bulgarie, je vais essayer de ne pas faire d'erreur, d'autant qu'il y a des géographes très forts autour de moi, entre la Bulgarie, entre la Turquie et la Grèce. Et c'est un endroit sur lequel vous revenez, qui est un endroit de l'enfance et qui est un endroit du mystère, d'une certaine manière, à la fois du mystère historique et puis aussi du mystère du contemporain. Vous faites un voyage là-bas, vous allez arpenter, vous allez recueillir des témoignages et vous allez livrer un livre qui se situe précisément à la lisière ou aux frontières du réel, de la fiction, des personnages et du roman. On va bien sûr reparler en détail de tout cela. À côté de vous, Olivier Weber, grand reporter, reporter de guerre, prix Albert Londres il y a quelques années maintenant, écrivain, auteur de livres pour le coup très divers, des récits de voyage, des essais, mais aussi des romans, notamment un livre qui s'intitule L'enchantement du monde. On parlera peut-être aussi d'un livre qui s'intitule Frontières et qui fait évidemment écho au livre de Kapka. Et puis on dira peut-être un petit mot de ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Vous avez beaucoup travaillé autour d'un certain nombre de figures comme ça de la littérature. On peut parler de Conrad, on peut parler de London. Et Kessel est évidemment quelqu'un dont vous êtes très proche et qui est une sorte de figure finalement de cette littérature du réel ou des liens entre journalisme et littérature dont on reparlera avec vous, cher Olivier, au fil de cette conversation. Et enfin vous, Adrien Bosque, éditeur, écrivain, fondateur des éditions du Sous-Sol, qui est un éditeur qui promeut et qui met au catalogue des livres de cette nature-là. Alors, quelle nature, on va y revenir, mais en tout cas de cette hybridité-là entre littérature et documents, littérature et journalisme. Vous êtes aussi à l'origine de cette revue Feuilleton, dans laquelle vous avez donné beaucoup de traductions de grands auteurs américains liés finalement à cette tradition littéraire. Et puis, vous êtes l'auteur par ailleurs de deux romans où cette dimension du document et de la fiction sont aussi à l'œuvre. D'une part, Constellation, autour du crash d'avion de Marcel Cerdan, et Capitaine, ce navire partant du port de Marseille en 1941, avec à son bord à la fois des anonymes et puis des gens très, très connus. Peut-être petit mot d'introduction avec les uns et les autres. On peut commencer par vous, Adrien, sur cette idée des éditions du Sous-Sol, sur le goût qui est le vôtre pour cette littérature de l'entre-deux ou de l'entre-plusieurs, d'ailleurs. Je parlais de documents, je parlais d'enquêtes, je parlais de romans, de journalisme. Peut-être nous dire un petit mot de la manière dont vous avez envisagé
le fait de monter une maison d'édition autour de cela, et puis votre goût personnel pour cette littérature-là, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle vous apporte, en quoi elle vous fascine d'une certaine manière. Je vous laisse peut-être commencer sur ces questions-là. Bonsoir. Je suis très heureux de dialoguer aussi autour de, avec deux auteurs qui ont, pas seulement dans leur titre, enfin on parlait de frontières et de lisière, mais je pense que c'est... ces deux termes, et d'ailleurs redéfinis au début du livre Lisière, mais qui sont peut-être les plus féconds pour comprendre, ou peut-être, je ne sais pas comprendre, mais du moins interroger cette forme de littérature qui elle-même est à la fois aux confins, en frontière, se définit en négatif. Les Américains vont dire non-fiction, ce qui est un peu, c'est d'emblée une espèce d'opposition comme ça, comme si c'était un panneau d'interdiction d'entrée, comme un sens interdit. Mais aussi, c'est une métaphore qu'on retrouve assez souvent chez ces auteurs, sans que ce soit là, parce qu'elle semble vraiment féconde, mais aussi une bonne manière de s'interroger. Je pense à des auteurs comme Alexeïevitch ou des auteurs comme Guettalès ou même Saviano qui reprennent cette métaphore. Par exemple, Guettalès, et je reviens après à votre question, mais sur... lorsque Alexeïevitch a reçu le Nobel un an avant... il y avait un papier dans le New Yorker qui espérait ce Nobel pour Svetlana Alexeïevitch, et c'était un article de Philippe Gourevitch, un des grands reporters du New Yorker, et qui citait Guettalès en disant la littérature de non-fiction est comme coincée dans l'Ellis Island de la littérature, expliquant qu'on était une sorte de littérature d'écrit à la fois du côté du document, comme vous le disiez, du reportage, avec parfois une sorte de mépris pour la notion de reportage ou de journaliste dans sa forme d'écriture, et en même temps une pleine littérature, et donc une sorte de contradiction dans son terme, dans sa manière même d'être. Et je trouve que c'est assez heureux, en fait, finalement, que ces livres dialoguent et que cette forme dialogue autour aussi de cette notion de frontière. Moi, je suis... venu à cette littérature par la lecture de ces journaux, dont l'un d'eux je citais, qui est le New Yorker. J'étais évidemment lecteur d'une forme plus française de récit, qui est celle de Sandrard, de Kessel, d'autres auteurs, de Jean Rollin, d'Olivier Rollin, mais aussi de Florence Aubenas, d'Emmanuel Carrère. Mais je suis venu à m'intéresser à une particularité assez américaine de ce qu'on a appelé voilà, narrative non-fiction, creative non-fiction, qui est celle qu'on voit à l'œuvre dans les pages du New Yorker, de Harper's, d'autres magazines américains qui offrent, et c'est peut-être pour ça que ça, et sûrement pour ça que ça existe, une place importante au reportage, une place qui n'existe que peu ailleurs, où les reporters ont à la fois le temps, l'argent aussi, ce qui est important, pour travailler, mais aussi la place pour aller plus loin, laisser le temps aussi d'approfondir ces sujets, mais aussi d'installer comme ça un récit qui parfois emprunte à la fiction dans ses techniques, à la narration. Et donc je me suis intéressé comme tout simplement lecteur, et puis je suis passé en tant que jeune éditeur par une maison, les éditions Alia, qui commençait à traduire ce type de reportage sous forme de petits livres. Et c'était à l'époque des articles de David Graham, des articles de William Langevische, La conduite de la guerre pour David Graham, c'était un crime parfait. Et c'était des. Et alors je vais emprunter moi aussi au terme de. À cette métaphore filée, mais c'était des articles qui étaient à la fois trop longs pour être publiés intégralement dans un journal et trop courts pour être publiés sous forme de livre et qui donc étaient comme dans les limbes et coincés un petit peu dans un entre-deux de littérature. Et c'est ainsi qu'est né Feuilleton, en discutant avec Gérard Bérébi, le directeur d'Alia, en se disant, mais on les publie sous forme de petits livres, mais pourquoi ne pas faire une revue à la manière de Grenta en Angleterre, qui est l'une des autres grandes revues de ce reportage-là, où Kapuscinski a publié certains de ses textes, mais d'autres grands auteurs de reportage. Et on était dans un moment aussi peut-être un peu plus propice où 21 venait d'arriver, il y avait une place renouvelée pour le reportage et pour les revues. Et c'est ainsi, voilà, comme ça qu'est né qu'est né les éditions du Sol, mais aussi c'était précédé de cet appétit. Et peu à peu, la maison a continué publiant dans Feuilleton, découvrant des textes
et ainsi de suite, se proposant de les publier aussi sous forme de livres lorsque des anthologies ou des livres plus longs, comme celui de William Finnegan ou plus récemment celui de Suzanne Orléans, voilà, de se faire peut-être le passeur d'une tradition qui n'est pas qu'américaine. Je citais Kapuscinski, je citais une forme de récit à la française, mais qui a quand même une identité aussi, ou du moins production importante qui vient des États-Unis, mais ça tient beaucoup à l'existence de formats qui ont offert une place à ces journalistes, et donc une forme d'émulation qui a créé cette qualité. Et je ne reviens pas sur l'émergence du nouveau journalisme dans les années 70 et d'autres auteurs qui poursuivent le travail engagé par John Didion, Tom Wolfe, Hunter Thompson, etc. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Kapka, peut-être une question aussi d'introduction. On a parlé de Kapuscinski, on a parlé d'Alexievitch, qui sont d'ailleurs notés comme des références ou comme des tutelles par votre éditeur en quatrième de couverture. Votre livre, je le disais, il est lié à la géographie, il est lié à l'histoire, il est lié aussi au contemporain, il est lié au témoignage, aux rencontres. Donc il est à cet endroit hybride, à la lisière. Est-ce que vous reconnaissez dans cet héritage littéraire-là? Est-ce que ça vous paraît bien définir votre travail que de dire qu'il est comme ça à la frontière de ces différents genres? Je vais peut-être réagir spontanément à ce qu'Adrien va dire, parce que c'est une question qui me préoccupe, la question des genres, de la forme, des formes littéraires, de l'hybridisme. Mais ça m'occupe pas tellement pendant l'écriture et pendant ce processus très, très immersif, très absorbant de la recherche, du voyage, de l'écriture elle-même. Mais après, quand je commence à voir les revues et les critiques, et quand je commence à voir justement ce que tu viens de décrire un peu... Je pense que nous sommes un peu les victimes d'une sorte de snobisme littéraire qui est allé trop loin. Quand je dis victime, je n'ai pas, c'est-à-dire c'est pas, c'est, je ne parle pas de moi et je ne parle pas d'écrivains particuliers, mais plutôt de la culture littéraire dans laquelle nous vivons. Il me semble que le roman a dominé pendant longtemps la littérature européenne en général, y compris la littérature britannique qui fait partie de cet héritage. Je me repère ici à Hérodote, un de mes écrivains favoris de tous les temps, qui était le parent, le père de l'histoire, et qui écrivait avant l'époque des genres. Il a en effet inventé l'hybridisme, on peut dire, avec ses histoires. J'aimerais penser de la même façon généreuse, parce qu'il y a des façons généreuses d'écrire et de lire, et des façons plus limitées, peut-être. Et pour moi, en écrivant Lisière et mon prochain livre qui va sortir en anglais, ce n'est pas vraiment une question de réfléchir sur le genre, sur les limites de ce que je fais, mais plutôt de prendre soin de refléter la complexité de la réalité, de ces géographies qui m'obsèdent, dans la forme qui leur convient le mieux. Et si cette forme finit par être hybride, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est pas forcément que je suis la tradition de quelque écrivain particulier. C'est que pour moi, cette alchimie, je suis toujours à la recherche de cette alchimie magique. Je pense que beaucoup d'écrivains sont comme ça, d'écrivains créatifs, l'alchimie magique de la forme et du contenu, de la géographie qui se déploie devant moi et que je dois explorer, et de la forme littéraire qui doit la contenir finalement. Oui, et cette hybridité des formes, elle permet aussi, avec un livre comme celui-ci, de rendre compte de la complexité, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le contemporain et dans l'histoire, on est dans la grande histoire et on est dans l'intimité
dans les vies minuscules, on est dans le détail et on est dans la mythologie. C'est-à-dire que le livre et le fait de ne pas avoir de limites permet précisément d'aller à différentes échelles de regard porté sur les choses. Est-ce que vous diriez cela aussi ? Oui, c'est le résultat, effectivement. Mais c'est le résultat de cette intimité entre l'être humain, d'abord le narrateur, ce qui est ce que je suis dans ce contexte, l'être humain et l'environnement. Et ça m'obsède depuis toujours, dès mes premiers jours d'enfance comme lectrice, découvrant des histoires d'aventure, cette relation transformative, potentiellement transformative, entre l'être humain et un environnement méconnu, un environnement étranger. C'est aussi de l'alchimie. L'expérience est alchimique et aussi la création de la littérature qui reflète cette expérience et de l'alchimie. C'est comme ça que je le vois. Et l'intimité, justement, est... Je pense que pour moi, mon premier intérêt est toujours le destin humain. Je m'intéresse aux vies humaines et aux formes qu'elles prennent et comment ça se reflète dans une géographie particulière. Donc je commence toujours au minuscule, comme vous dites. Je m'intéresse au microcosme. Au microcosme. Parce qu'ils contiennent... les macrocosmes. Et c'est ma façon d'opérer, de m'approcher un maximum à un endroit, à une personne, à un récit, et de voir ce que je peux en retirer. Et je suis poète, j'ai commencé comme poète, donc je pense que ma manière d'opérer n'est pas tellement le reportage, même s'il y a du reportage, mais je n'ai pas des prétentions d'être reporter. Parce que ma façon de m'intéresser à la matière est plutôt poétique. Je m'intéresse aux symboles, aux motifs, aux motifs et aux correspondances et les échos qui ressortent d'une certaine géographie humaine. Oui, et aux traces, on pourra en reparler, puisqu'il est beaucoup question des traces aussi dans votre travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui persiste de l'histoire passée, qu'est-ce qui aujourd'hui est à l'œuvre encore de cette histoire passée. Il y a un travail presque d'enquêteur, finalement. Oui, les traces, l'invisible, c'est peut-être ma passion la plus grande. Aussi que la voix humaine, Svetlana, pour se référer à Svetlana Alexievitch, elle a dit, j'adore la... I love the lone human voice. J'aime la voix humaine solitaire. C'est ma plus grande passion. The lone human voice. Moi aussi, mais j'aime aussi cette recherche du perdu, de l'invisible. Et il y a certaines géographies, on va parler du Kurdistan, certaines géographies où il y a plus d'invisible que le visible, à cause des pertes énormes que ces géographies ont subites. Il y a beaucoup de traces, mais il faut faire un travail d'archéologie. Dans mon cas, c'est de l'archéologie humaine, de l'archéologie narrative. J'aime faire ça. on va y revenir. Peut-être, Olivier, tout de suite, quand même, un petit mot sur cette question des frontières, puisque vous avez un livre qui s'intitule ainsi, c'était chez Paulsen, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être un mot sur ce lieu, on va revenir à votre travail, vous, de romancier, et le rapport que vous avez... journalisme, écriture romanesque, etc. Mais un mot sur ces lieux-là et sur la manière dont vous les envisagez, à la fois comme reporter et puis comme écrivain et comme lieu aussi de machine à symbole, de machine peut-être à fiction, à vie minuscule, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans le surplomb et à la fois dans le détail. Peut-être vous pouvez nous parler un peu de cela. Oui, bonsoir. Et j'avais écrit Frontières parce que je m'étais isolé pendant 2-3 ans pour écrire un livre qui s'appelle L'Enchantement du Monde, que vous aviez cité tout à l'heure, qui est la vie du peintre Bellini, qui est un peintre vénitien, un des plus grands d'ailleurs de la Renaissance vénitienne au XVe siècle, qui s'en va voir le grand ennemi de la chrétienté, qui était donc Mehmet II qui a pris donc la ville de Constantinople, aux chrétiens. Et je me suis dit, bon, je commençais à sentir un peu le moisi, j'avais envie de repartir voir les frontières. Et donc, j'ai dévalé la route, depuis le Kurdistan d'ailleurs, entre l'Iran et l'Irak, on est dans les montagnes, jusqu'à Menton, mais sans rentrer en France.
Et je voulais savoir simplement, par les gens que j'allais rencontrer, ce qu'était une frontière. Je laissais tomber un peu mes études, mes modestes expériences. Et donc j'ai rencontré des humanitaires, des gens très positifs, des gens très négatifs, comme des douaniers véreux et des policiers corrompus. Et en même temps, donc, c'était la description d'une ou deux frontières où je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Je me suis beaucoup arrêté aux frontières, mais je ne m'étais pas intéressé. Je voulais passer par l'Afghanistan ou rentrer au Pakistan ou ailleurs. Et donc là, on se rend compte qu'entre un pays A et un pays B, il y a presque une entité C, il y a presque un autre paradigme avec d'autres lois que celles des États afférents, donc voisins, avec des trafiquants, les services secrets qui ouvrent la cocotte minute pour laisser passer des armes et d'autres biens illicites ou plus ou moins licites, etc. Et pour moi, c'était presque du travail romanesque. Pourquoi ? Parce que je me suis emparé des auteurs, des écrivains du voyage que j'aime beaucoup. Vous avez cité Kapuscinski, mais ça va de Goethe à Nietzsche et de Cervantes à Hemingway, pour savoir justement ce qu'est une frontière. Et le jeu constant entre ces vies de terrain, que sont tous les gens que j'ai rencontrés, alors beaucoup de migrants aussi, mais aussi malheureusement les gens qui les trafiquent, c'est-à-dire les passeurs d'êtres humains, et je peux vous dire que ça va à un niveau extrêmement élevé, avec du blanchiment d'argent sale dans les pays occidentaux, et puis aux migrants eux-mêmes. Et donc, je trouvais que l'aller-retour avec les écrivains du voyage était intéressant. Et pour moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas du roman, ce n'était pas du roman parce que c'est du récit, c'est du vécu, mais le fait de basculer quelquefois dans des auteurs de fiction que j'ai cités sur quelques lignes ou un bout de chapitre me permettait d'aller dans le roman. Et pour revenir à la question, bah, je suis d'accord avec vous deux, hein, Kapka et Adrien, parce que pour moi, il n'y a pas de frontières. Et j'aime beaucoup cette définition que tu as eue sur la littérature, et il en va de même pour moi du reportage, c'est une alchimie. Je serais incapable d'enseigner quoi que ce soit en littérature, en reportage, que je ne saurais pas comment dire à les étudiants, faites un livre comme ceci ou faites un reportage comme cela. C'est plutôt une pelote de laine qu'on va dévider, que ce soit du reportage ou du roman, en tout cas un livre. Et pour moi, là-dedans, il y a de l'impression personnelle, bien sûr, il y a du subjectif, même si on est dans la fiction la plus absolue. Je pense qu'il y a toujours une part, évidemment, de vécu. Et le reportage aussi, parce qu'on va s'emparer des faits, mais on va aussi donner ses impressions. Nous sommes d'abord des sujets. On va faire des retours en arrière, des feedbacks, comme on dit. On va revenir au portrait, on va revenir à l'histoire, etc. Et pour moi, il n'y a pas de frontières. Et, alors, c'est vrai que j'ai couvert quelques guerres, mais pas que, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de reportage de guerre. Il y a du reportage. Et le reportage commence ici, commence dans les banlieues, etc. Et la guerre commence ici, d'ailleurs. La guerre commence dans les open space, dans les entreprises, qui est un milieu extrêmement violent, dans les administrations. Quelquefois, avec un mot, une phrase, on peut rendre quelqu'un dépressif. Et ce constant dialogue, j'allais dire, aux synergies entre l'éros, l'amour, on va dire, et puis le thanatos, cette pulsion de mort que nous avons en nous, cette part maudite dont parlait Georges Bataille, elle se retrouve dans la littérature. Et alors je trouve que je reviens d'une zone de guerre, je suis rentré hier, mais je pense beaucoup à la guerre d'Espagne. Il se trouve que c'était justement au Kurdistan de Syrie, en Syrie avec les Kurdes du Rojava. Je peux vous dire que là, on a des faits qui sont vraiment prouvés de cette occupation d'une partie de l'espace syrien par Erdogan, qui instrumentalise Daesh d'ailleurs. Et là, je me dis, voilà, on est dans une matière qui est réelle. En même temps, est-ce que ce n'est pas le roman qui ne va pas nous permettre de comprendre cette situation avec un premier cercle, un deuxième cercle, puis un troisième cercle des grandes puissances qui sont des anciens empires, qui redeviennent des empires, à savoir l'Iran, la Turquie, qui est l'ancien empire ottoman, on en parlait tout à l'heure, et puis la Russie, qui redevient expansionniste, elle aussi. Et donc, voilà, et pour moi, cette littérature renvoie à la guerre d'Espagne, avec des engagés, des brigadistes internationalistes, qui sont plutôt des humanitaires aujourd'hui en Syrie. Et je dirais, je citerai deux exemples, deux livres qui m'ont bouleversé quand j'étais tout petit en culotte courte. C'était deux livres sur la guerre d'Espagne, c'est L'Espoir, de Malraux, et puis, bien sûr, Pour qui sonne le glas, d'Hemingway. Alors, on dit que Pour qui sonne le glas, c'est un formidable reportage. C'est vrai, parce qu'il l'a vécu. Il l'a vécu en étant, lui, Hemingway, très pro-soviétique. Et dans le livre, le roman, il est aux antipodes. Il critique ce pro-soviétisme-là qui fait que, finalement, on liquide les anarchistes, les modérés, les socialistes allemands, etc., les membres du POUM, etc. Ce que relate également Orwell dans ce superbe livre, Hommage à la Catalogne. Et L'Espoir de Malraux, on sait que c'est totalement bidonné, c'est inventé. Il faudrait tout réécrire pour arriver à la réalité. En même temps, il n'y a peut-être pas de meilleur
réalité de ce que Aragon disait le mentir vrai. On y est, on largue des bombes avec la brigade Teruel qui n'existait pratiquement pas d'ailleurs, on est avec les combattants républicains, on est dans les tranchées, on est avec un député communiste français qui devient un pro-GPU, donc un pro-soviétique et qui va vendre des camarades au service secret soviétique. Et donc voilà, je me dis à un moment que qu'on soit dans une zone de guerre ou pas, le roman permet de basculer justement, et en tant que lecteur, parce que je lis ben, comme toi depuis la plus tendre enfance, j'ai plus appris sur des zones de guerre que j'allais couvrir après par des romans que par des récits, des reportages ou des documents, des essais. Donc oui, ça permet de réenchanter le réel et peu importe le fond, ce qui est important c'est le personnage en fait, ou les héros, et on sait très bien qu'avec trois personnages réels, on peut en faire un seul, un personnage de roman, et ça transcende la réalité. Pour moi, elle est encore plus forte que la réalité vraie. Elle est où, la réalité? Est-ce qu'on n'est pas dans un maquillage de faits, de données? Et je crois que le roman, là aussi, il permet pas de réinventer le réel, je me suis mal exprimé tout à l'heure, mais de le sublimer, de mieux l'expliquer en tout cas. Et on arrive par le sentiment. C'est ce que Ram Pamuk, un autre prix Nobel, quelques années plus tôt qu'Alexievitch, en 2008, donc le Turc avait écrit dans un roman qui est un roman de conférence en anglais qui s'appelle Le romancier naïf et le romancier sentimental. Il reprend en fait un essai de Schiller qui s'appelle Le poète naïf et le poète sentimental. Il dit voilà, quand on est écrivain naïf, et c'est pas du tout péjoratif, on décrit que la réalité crue du paysage, et le sentimental, ben, on passe à l'émotion, au sentiment, etc. Et il dit il faut constamment basculer de l'un à l'autre, du paysage au paysage humain, de l'émotion réelle, etc. Et donc voilà, c'est une belle leçon aussi de littérature que de donner pas bon. Peut-être revenir avec vous, Adrien, sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure et sur la manière dont justement aussi dans cette littérature-là, le reportage, les journalistes ou ceux qui viennent de là s'emparent finalement des, vous avez dit, des codes, des recettes, des techniques finalement de la narration littéraire. C'est-à-dire qu'on est dans une écriture qui a une forme d'agencement des faits, de mise en scène, on a de la création de personnages, on a la subjectivité du regard, je ne sais pas, il y aurait d'autres éléments. C'est vraiment à un moment donné une sorte de, oui, de rapport, de pas de côté avec des techniques finalement qui produisent ce type de littérature, ce type de texte selon vous? Je pense que Olivier Weber a tout dit, puis Capra aussi, sur à la fois le fait d'annuler pratiquement ses frontières, mais aussi de dire je serais bien incapable de donner technique. Et je pense que c'est de la même manière une sorte de... on va définir de cette manière-là, on va lire ces textes-là en disant il y a un point de vue, il y a une subjectivité, il y a une façon d'installer une narration qui emprunte à l'écriture du roman. Mais je reviens à ce qui a été dit au début. Je pense que les auteurs eux-mêmes, et heureusement, ces écrivains-là, et parce qu'ils sont écrivains, ne commencent pas à écrire avec un tableau de recettes, de techniques, et que finalement, c'est en le faisant et c'est en allant chercher une forme qui est adéquate, une sorte, et le terme était ô combien bien choisi, d'alchimie, que naît cette récurrence, mais qui varie en fait entre les différents pionniers de ces textes-là. Peut-être le malentendu, il naît d'un auteur qui avait décidé, mais comme à chaque fois dans ce qui n'est pas un mouvement, mais quand on regroupe des auteurs dans un mouvement malgré eux, c'est Tom Wolfe en écrivant un texte qui s'appelle Le Nouveau Journalisme. Mais il publie une anthologie qui s'appelle Le Nouveau Journalisme, puis il propose cette introduction où il commence presque comme le dogme de Lars von Trier en disant tu ne feras pas ça, tu feras ainsi. Et puis ensuite, nous propose les textes de John Didion, d'Hunter Thompson, mais il ne demande pas à Hunter Thompson et à John Didion de définir leur manière d'écrire. Il les met en acte, parce qu'eux-mêmes, mais par contre, il les englobe, avec leur accord, puisqu'ils sont dans cette anthologie, dans une espèce de chapelle, comme d'autres mouvements ont été à la fois, ont émergé, mais ont été restreints dans leur, peut-être leur art par des dogmes, et le met comme une... mais si vous arrêtez à cette anthologie, passez la préface qui donc effectivement instaure un certain nombre de règles, dont cette subjectivité, ces dialogues dans leur intégralité. Vous lisez les textes, ils sont tout à fait différents, tout à fait, et heureusement, avec une voix. Et ce qui prime d'ailleurs, c'est cette voix, c'est l'existence immédiate de la présence de l'auteur. Mais si
d'emblée, la manière d'écrire de John Didion n'a presque rien à voir avec celle d'Hunter Thompson ou avec celle de Guy Talese, et avec des inventions qui leur sont propres, une forme d'introspection qu'on trouve chez John Didion qui est très, très poussée, d'intimité, pour reprendre là aussi les termes, et chez Guy Talese, l'invention au cœur de la réalité, c'est-à-dire de ce qu'il place avec le discours indirect libre et le fait de se glisser dans les pensées de sujets en face de lui, ce qui crée des espèces de folie où d'un coup vous avez une sorte de monologue du boxeur qu'il décrit des sentiments et de sa défaite et une sorte de long monologue théâtral et qui est une sorte d'outrance du genre mais qu'il s'accorde et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc c'est pareil pour Joseph Mitchell ou d'autres auteurs. Donc, je pense qu'il faut s'affranchir, il faut le dire parce que c'est là, parce que même le genre, c'est presque défini cette espèce de manifeste de Tom Wolfe, mais il faut s'en affranchir. Mais je reviens sur un terme, mais effectivement, je pense que ce qui est là peut-être comme une définition, alors pas restrictive ni définitive, mais la notion d'intimité me paraît fondamentale, parce que, non pas parce qu'elle est contradictoire ou paradoxale, parce qu'on va vers l'autre et pourtant c'est cette intimité qui prime, et ça me rappelle profondément une phrase d'un auteur qui pour moi a tout offert au récit français pour le comprendre, qui est Maspero, et dans Les abeilles et la guêpe, il y a un passage dans Les abeilles et la guêpe où il parle de son travail de traducteur et des textes de John Reed et ce que lui a apporté le travail de traducteur. Et puis il termine ce passage sur John Reed en disant, de mémoire, enfin, la citation est évidemment, le texte est un peu plus développé, mais disant ils sont rares ces écrivains qui sont capables de dire tout d'eux-mêmes en racontant les autres. Et je pense que c'est quelque chose de profond, et je parlais de voix tout à l'heure, ça tient à cette intimité-là, et j'étais heureux d'entendre votre mot, parce que c'est aussi ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre, ou ceux d'Olivier Weber, c'est d'emblée de savoir où est aussi celui qui écrit, ou du moins de voir se dessiner, sans faire de métaphore facile, un visage comme ça au travers de cette frontière qu'on suit, ou de ces voix qui sont collectées, parce que la collecte est en soi un montage, est en soi un choix, et donc d'emblée définit la position du narrateur. Oui, d'autant que vous, Kapka, elle est au cœur finalement cette question du rapport à l'enfance, à la propre enfance, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui détermine le voyage, le retour, et finalement ensuite il y a une forme d'élargissement des motifs que vous explorez, mais à la base il y a cette dimension intime très forte qui est ce mouvement premier peut-être dans l'écriture du livre. Quand vous parlez là, ça m'a rappelé, je pense que c'était Borges qui a dit après, dans un de ses essais, après tous les voyages que j'ai fait à travers de la terre, toutes les rivières, montagnes et toutes les villes que j'ai croisées, finalement j'ai vu le dessin de mon propre visage. C'était d'un essai, je crois, ou d'un récit. C'est même en exergue d'Olivier Rollin, cette citation, extérieurement, mais qui dit ça. Et d'ailleurs, Borges décrivait toute son écriture comme fictiones, même celle qui ne l'était pas, évidemment. Mais pour retourner à cette question du retour, justement. J'aimerais penser que le dessin que je vois à la fin de ma vie d'écrivain ne serait pas celle de mon propre visage. C'est un peu trop narcissiste, mais le visage de l'humanité, c'est beaucoup plus intéressant de deviner les contours d'un visage collectif, d'un destin collectif. Et oui, il s'agit d'un retour à l'enfance, aux endroits de l'enfance, parce que c'était une zone militarisée. Très lourdement militarisée,
hors portée pour les citoyens de la Bulgarie. Et comme j'ai compris en suivant ce voyage, c'était la même histoire de l'autre côté, du côté grec, du côté turc. C'était tellement militarisé que les villages et les villes de la frontière sont devenus dépeuplés. Donc, c'est des endroits où je ne suis jamais allée avant. C'était une première rencontre. Mais oui, c'était un retour aux démons, aux fantômes de l'enfance. Évidemment, le fantôme central de cette lisière, c'est le rideau de fer. Et son ombre très lourd et très, très long, qui continue à... façonner la vie des gens de la frontière. Cette question de la retour est intéressante. La plupart des retours comme ça sont impossibles. Ce sont des retours impossibles. Il y a une chose aussi qui est quand même très forte dans le livre, et c'est peut-être une des dimensions qui fait le rapport au réel, c'est la multitude des personnages, donc la multitude des voix et des regards portés sur cette réalité présente ou passée, et je dirais presque la variété aussi des personnages, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont représentatifs de différents endroits de la société, de l'histoire, qui ont été plus ou moins victimes de celle-ci. Il y a aussi dans la multiplication des voix, des regards, une forme presque de morale finalement, ou d'éthique du regard. J'en parlais tout à l'heure avec Maëlys de Carangal. C'est-à-dire que c'est la profusion des regards et c'est en même temps la variété de l'endroit dans ces sociétés-là, de ces personnages. Ça, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui, tout à fait. Et c'était d'abord le lien émotionnel que j'ai ressenti avec ces gens, avec ces histoires. J'étais très émue dès le début. Je me suis rendue très vite compte que c'est des endroits, ces montagnes, la Strandja, les Rhodopes, mais aussi la plaine de la Thrace, toute la région de la Thrace, la zone frontalière, était fourmillée d'histoires non racontées. Des histoires non dites et même parfois non exprimées, parce que ce sont des gens, les gens de la frontière, qui n'ont pas l'habitude de donner des interviews, de s'exprimer, de parler de leurs émotions, de parler du trauma, du traumatisme. Il y a beaucoup de, pas seulement des secrets d'État et des secrets des tombes anonymes dans cette zone frontalière, mais des gens qui sont l'histoire vivante, qui portent en soi plus qu'une personne devrait porter, en effet. Un fardeau presque insupportable, et pourtant ils le portent et ils vivent comme ça. Et je trouve que, ouais, on trouve ça dans des géographies traumatisées. Et celle de la frontière, de cette triple frontière, c'est une géographie traumatisée, mais aussi très créative, parce que ce sont des survivants finalement. Et le thème, évidemment, je suis rentrée même dans le domaine de l'archétype, pas du stéréotype, c'est une distinction très importante, mais de l'archétype, parce que dans des endroits extrêmes, je crois qu'on se heurte vraiment à des personnes larger than life. Plus grand que la vie. Plus grand que la vie. des fois, sans généraliser, mais ça m'est arrivé. Le personnage du trafiquant, du passeur. C'est, pour moi, Zico, ce personnage, c'est la frontière. C'est la forme humaine de cette frontière, avec tous les paradoxes, toute l'ambiguïté, la tragédie, la comédie, la souffrance, la violence, la survie, l'amour, l'humour. C'est Zico. Et il y a tant d'autres personnages aussi qui... c'est pour ça qu'on dit parfois « reality is stranger than fiction ».
Ouais. Je vois que le temps passe très très vite. Peut-être, Olivier, encore quelques questions aussi sur la manière dont vous envisagez. J'ai parlé de ce dictionnaire amoureux de Kessel. On a parlé un peu des grandes figures qui ont pu s'inscrire dans cette tradition littéraire-là. Peut-être nous parler un petit peu quand même de Kessel et de la manière dont... alors, encore une fois, effectivement, vous avez dit vous-même qu'il y avait une sorte d'instinct à l'écriture et de peu de recettes. Mais peut-être nous dire comment est-ce que, par exemple, vous inscrivez dans les pas d'un auteur ou d'un journaliste ou d'un écrivain comme celui-ci, ce que vous y trouvez, et la manière dont vous trouvez aussi peut-être des espaces de liberté, des bonnes réponses à ces différents endroits et avec ces différents moments de votre vie, du temps solitaire de l'écriture, du temps de terrain, du temps de la rencontre, du temps de l'enquête. Comment est-ce que tout ça s'articule finalement dans le travail que vous menez, même si j'ai cru comprendre que tout ça était parfaitement intuitif, ou en tout cas avec beaucoup d'instinct finalement dans la manière de travailler. C'est difficile de se comparer, ça serait prétentieux surtout, mais en tout cas on est tous porteurs, je pense, en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, de modèles, de grands frères. Et moi ça a commencé donc à l'âge de 8-10 ans avec Goethe et Cervantes, qui pour moi sont des écrivains du voyage et presque des grands reporters avant l'heure. Goethe qui avait couvert la bataille de Valmy et qui a beaucoup écrit, y compris ses derniers livres sur le Rhin, quand il a écrit Le Divan, un livre de poésie magnifique d'ailleurs, à la manière des poètes persans, et à la faveur de la paix en Europe, et à la faveur du traité de Berlin. Et puis Cervantes qui écrit Le Quichotte, et le Quichotte. Je crois que j'en ai fait un roman qui s'appelle Le Barbarès, parce que Cervantes, très jeune, à 27 ans, a été interpellé, j'allais dire, arrêté par les pirates barbaresques au large de Marseille, lorsqu'il rentrait la bataille de Lépante. Et pendant 5 ans, il a connu une prison, mais une prison dorée, puisqu'il était hidalgo, prince de rançon et captif de rançon. Et donc pendant 5 ans, il était dans une ville qui était la plus grande de Méditerranée, qui s'appelait Alger, avec 25 000 autres, sur une population de 100 000, 25 000 autres captifs chrétiens. Et pour moi, donc, c'est là où l'imaginaire prend le dessus, c'est qu'il a inventé le Quichotte pour s'évader mentalement de cette prison dorée, aussi dorée était-elle. Il a connu une histoire d'amour. Et donc voilà, donc pour moi, ça fait partie des grands frères, Kessel bien sûr aussi. Et alors après, c'est que l'extrapolation des données précédentes, il faut vivre de son temps, mais c'est vrai que tout d'un coup, on se dit, bah, il a osé, ou il a fait ci, il a fait ça, etc. Deux exemples très rapidement pour Kessel, c'est que lui était grand reporter de guerre, et puis à un moment, il rentre de Berlin, puis grâce à des bandits, parce qu'il était très copain avec les bandits et la pègre de tous les pays du monde qu'il visitait, du Liban à New York et à Vladivostok, il allait voir la pègre. Et là, les bandits de Berlin lui disent « Écoute, ce qui se passe au-dessus, parce que très souvent les réunions étaient dans les souterrains de Berlin, bah, voilà, c'est la montée du nazisme, etc. » Et il y a des camps de concentration qui existent déjà. Alors, il écrit ça en rentrant à Paris dans les papiers. Il a croisé Hitler, d'ailleurs, et il a regretté de ne pas avoir un revolver sur lui ce jour-là. Et puis, tout le monde se foutait des papiers qu'il a écrits dans la presse des années 34 et 35. Il en fait un roman qui s'appelle « La passion du sans-souci », qui est d'ailleurs plus connu avec le film de Romy Schneider, c'est le dernier film de Romy Schneider, d'ailleurs. Et c'est un livre qui dénonce les camps de concentration par la forme romanesque. Et le livre paraît en 37. Et donc, c'est la première dénonciation des camps de concentration qui étaient là aussi pour les communistes et pour les handicapés, etc. Et il y a un autre exemple moi, qui m'a beaucoup marqué aussi, parce que j'ai lu ça très jeune, c'est Belle de jour, pareil, c'est un très très beau film avec Catherine Deneuve, mais qui ne correspond pas dans le film de Buñuel au roman de Kessel. Et Kessel l'a écrit en 1928, il a 30 ans. Et c'est un livre, en deux mots, hein, où une bourgeoise du 16e arrondissement à Paris, mariée à un dentiste, donc est une bourgeoise le matin et se prostitue l'après-midi. On ne comprend pas pourquoi le bouquin fait scandale, pourquoi elle se prostitue, etc. Les pires violences, etc., qu'elle se fait subir volontairement, quoi. Et on comprend pratiquement à la fin du livre qu'elle était violée enfant. Ce qui n'est pas montré par Buñuel dans son film au scénario écrit par Jean-Claude Carrière. Et en 28, à 30 ans, c'était gonflé de la part de Kessel d'écrire ce roman à scandale. Et lui, c'était une dénonciation avant l'heure des violences faites aux femmes. Et au lieu d'écrire un long article, parce qu'à l'époque, les articles étaient très longs dans la presse, hein, c'était des papiers souvent de 150 000 signes sur 10 ou 15 jours, il en fait un roman. Et voilà, je me dis qu'à partir de ces deux exemples, voilà, c'est pas qu'on travestit, on transcende la réalité, on la réexplique. Et quelquefois, encore une fois, le roman a plus de force que le récit ou le document. Et par rapport aux autres auteurs, bah, beaucoup Conrad, hein, que vous avez évoqué, Jack London, qui était reporter de guerre aussi, et qui à un moment a dit bah non, ça suffit, je vais passer au roman, parce qu'il n'y a rien de pire que quand on revient d'un reportage dans une zone de conflit, que de faire trois pages,
trois feuillets, hein, quatre feuillets pour un journal, et on vous dit c'est très bien, oui d'accord, ok, mais j'ai raconté 3% de ce que j'ai vu, non, tu repasseras la semaine prochaine, etc. Et on porte ça avec nous, alors c'est pas notre ego qui prime, hein, même si on a des petits traumas, mais c'est pas grave, on est là pour parler des autres. C'est tout ce qu'on a vu, les violences, on sait très bien avec un peu d'expérience que ça va recommencer comme un humanitaire. Un humanitaire sait passer les frontières, un humanitaire sait ce qui va se passer dans tel ou tel pays, parce que voilà, c'est une sorte d'instinct, une instinct de terrain, et qu'on alimente d'ailleurs justement par l'entretien, que ce soit un entretien médical, un entretien de journaliste ou de reporter ou d'écrivain. Et à un moment, on se dit, mais voilà, il faut passer sur quelque chose de plus long, et je pense que le roman de 300 pages peut valoir un papier de 3 pages. Alors après, il y a d'autres auteurs, hein. On a parlé de Kapuscinski, qui pour moi aussi est un modèle, même si on l'a reproché d'avoir travaillé pour les agences de renseignement polonaises, lorsqu'il était correspondant de la PAP, l'agence polonaise de presse en Afrique. Mais en tout cas, quel conteur, je ne sais même pas comment dire. Eric Orseda aussi, un peu comme ça, quand il vous raconte la mondialisation de l'eau, du papier, du coton, du moustique même quelque part, et des fleuves et des villes. C'est Italo Calvino avec son récit sur les villes. Et je me dis que voilà, bah on a 300 pages de reportages qui sont sûrement mises en scène, avec un peu de mesclin, comme on dit dans le Midi. Donc romancés, en tout cas abordés de manière romanesque, mais peu importe. Hein, comme disait Blaise Sandrars, quand il revenait du Transsibérien, il dit, parce qu'on lui reprochait de ne pas avoir pris le Transsibérien. Il dit, qu'est-ce que ça peut vous faire si je vous l'ai fait emprunter quand même. Donc voilà. Donc pour moi, ça, on joue sur les deux tableaux. Peut-être pour terminer, avant le petit temps d'annonce des livres sélectionnés pour le prix du réel, un petit mot quand même avec vous, Adrien. On va avoir du mal à faire le tour de vos deux livres, Constellation et Capitaine. Mais peut-être en quelques mots, et peut-être en prenant un motif, un axe de ces deux livres-là, je les ai présentés très brièvement tout à l'heure. En parlant de Constellation, de l'accident d'avion dans lequel est mort Marcel Cerdan. J'ai parlé également de Capitaine, dans lequel on retrouve un certain nombre de personnages réels. Et il me semble que ce que vous faites, vous aussi, avec ces deux livres-là, c'est précisément d'aller chercher, je ne sais pas si on doit dire les anonymes, mais en tout cas d'aller donner une visibilité aussi à d'autres, ou en tout cas de vous intéresser à ce qui pourrait constituer, je ne sais pas si on doit parler des angles morts de l'histoire, ou de, en tout cas un endroit qui n'est pas forcément visible et qui est à côté finalement de ce qu'il a été. Est-ce que vous diriez qu'il y a plein d'axes dans ces livres, mais que c'est une manière en tout cas de les attaquer et de les comprendre? C'est une des manières, mais c'est presque par le récit de ces communautés provisoires qu'apparaissent parce que mis sur un même plan, ces destins qui, effectivement, certains sont d'emblée, prennent toute la place, y compris dans les journaux, c'est le cas dans Constellation, au lendemain du drame, mais mis sur un même plan et mis sur un même récit, c'est après que le motif s'impose. Mais, et pour rejoindre peut-être les notions qui ont été évoquées ce soir, y compris de frontières, ce qui est au cœur vraiment de ces romans, puisque c'est un cycle de trois romans autour de trois traversées, c'est justement cette notion de traversée et de communauté qui s'avance ensemble, et de quelle manière s'invente là aussi, se traduit quelque chose à la fois d'une époque, on parlait tout à l'heure de collectif, mais d'une forme comme ça d'image arrêtée de l'époque, presque comme un précipité, si vous voulez, de destin croisé et d'une image là qui apparaîtrait de l'époque, et puis de frontières aussi qui passent, repassent, et pas seulement par cette notion d'avion, puisque finalement, de ces trois livres, certains personnages apparaissent dans l'un et puis réapparaissent, non pas par un biais de fiction, mais parce qu'ils sont là et parce que le passé se joue de nous, s'amuse à les balader de la même manière, et qu'effectivement, on parlait d'une frontière, et il y en a une qui est ô combien féconde chez nous, mais qui traduit très profondément notre histoire, c'est la frontière espagnole et française. Et c'est aussi ce qui est au cœur de Constellation, de Capitaine, c'est que ces réfugiés vont passer caboter le long des rives pour aller vers les États-Unis, pour aller vers la Martinique, et caboter le long des rives, passer pour certains de ces passagers, et même assez nombreux, ce sont des réfugiés espagnols qui ont été des républicains,
qui ont passé 5 ans plus tôt, 3 ans plus tôt la frontière, en un sens, tout comme d'autres ne prendront pas le bateau, mais passeront par la frontière, par d'autres biais, les passeurs, avec des mêmes lieux qui sont traversés de part et d'autre à d'autres périodes. Et on peut citer Portbou, qui est le lieu des réfugiés républicains, comme celui des passeurs, avec certains destins tragiques, et dont celui de Walter Benjamin. Et dans les trois livres, finalement, c'est presque puisque Constellation est en 1949, le capitaine est en 41, et le dernier est un peu avant, traduit quelque chose, voilà, d'un invisible fil dans l'histoire, et qui parfois nous font traverser un même lieu pour d'autres raisons. Dernière chose pour conclure, puisque au tout début de Capitaine, il y a un petit mot sur cette fameuse citation autour du goût de l'ananas. Peut-être que c'est un moyen aussi de terminer sur ce rapport au réel, avant ce temps d'annonce là pour le prix du réel. Vous pouvez peut-être nous en parler rapidement. Oui, il me faudrait le. Bien sûr. Non, mais c'est une citation un peu étrange, puisqu'un jour, je vais pas détailler l'histoire, mais elle a traduit quelque chose de très précis dans ce rapport au document, ce rapport au récit, et est venue exactement dire, tout comme dans le premier roman Constellation. Mais c'est le rôle des exergues, finalement, de peut-être rassembler comme ça le sens d'un livre. Et c'était une phrase de Tabouki qui disait « La combinaison de quelques mots suffit parfois à orienter notre vie ». Eh bien là, c'était cette phrase de Leibniz que j'ai croisée dans des circonstances étranges, parce que j'ai cru que c'était un copain qui, ivre, me sortait cette phrase un peu comme ça, comme une sorte d'invention de pochetron en fin de soirée, mais qui était... il ne l'a pas dit aussi élégamment, mais nous saurions connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs, mais qui est une phrase que j'ai retrouvée des années après. Je l'avais notée sur un bout de papier sans mettre de référence, parce que je n'y voyais pas de citation d'auteur pour moi, et puis que j'ai retrouvée un jour, mais par hasard, en allant dans un théâtre, et je le vois affiché en grand. Et dans le livret, avant, je lis que c'est une citation de Leibniz. Alors après, je suis allé voir, et puis... qui dit très exactement ça, c'est-à-dire qu'on est à une époque des premiers récits, enfin pas des premiers, mais des récits du côté des Amériques et du côté aussi de saveur, de goût, de ce que peut rapporter le récit et de son insuffisance aussi. Et c'est un dialogue dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, justement l'empirisme, et il est question de... La réponse qui est faite, c'est « Nous ne saurions connaître le goût de l'ananas par le récit des voyageurs », mais qui est presque, pour moi, l'autorisation de la fiction. Que peut-être, à la fin du voyage, on aura un peu du mal de terre et un peu du goût de l'ananas en arrivant à quai. Et peut-être que la plus belle... lorsque ce livre est paru, je l'ai envoyé à une des personnes... les seuls qui restent de ce bateau, qui est Aube Breton, la fille d'André Breton, et qui avait 4 ans à cette époque. Et je lui ai envoyé le livre en espérant peut-être pas prendre une lettre d'insulte. Mais le courrier est arrivé et elle a exactement, peut-être, je ne sais pas, c'était parfait comme réponse, mais c'est drôle, ça m'a rappelé une chose, et je ne me rappelle que d'une chose de ce voyage, c'est le goût du lait concentré. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est le goût de l'ananas, ou le goût du lait concentré. Du goût de l'ananas au goût du lait concentré. Et merci à tous les quatre de votre présence et de votre écoute. Merci beaucoup.